Good morning, Aleiden. Les Juifs aujourd'hui, le Nishmat Mourir Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Nissim ben Ahuda, Shlomo Nissim ben Sara, Shlomo ben Esther, ainsi que le Rufat Avor Mori ben Reut Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Menachot, Perek Vet Mishnah Hey. Pigel Bakometz Velo Balevona. Balevona Velo Bakometz. Rabbi Meir Omer, Pigul de Chalavin Alav Karet, Vachem Omrim, En Bokaret, Ad Sheifagel et Kol Amatir. ומודים חכמים לרבי מאיר במנחת חוטא ובמנחת קנאות שהם פיגל בקומץ שהוא פיגול בכלל להבין עליו כרת שהקומץ הוא המתיר. On va pas lire toute la Mishnah d'un coup parce que c'est le même principe qui va se répéter deux fois, mais c'est dommage de lire si on n'a pas compris la base de la simple intro quoi. On continue à parler de l'interdit de pigoul. Je rappelle d'abord de manière générale c'est quoi le pigoul. C'est littéralement pigoul, c'est quelque chose qui est répugné. C'est une halakha particulière qui se retrouve dans les korbanot. Chaque korban que l'on apporte au Beth Amikdash, il est délimité par des limites de temps. Il doit être consommé dans la même journée, la nuit qui suit, deux jours avec la nuit du milieu. Chaque korban, il a ses limites. Maintenant, pour chaque korban, on doit prendre un échantillon qu'on va faire sur le Mizbeach. Ouais, si c'est du sang, un animal, récupérer son sang, l'asperger sur le Mizbeach. Si c'est une mincha, récupérer la pincée, le komets, qu'on appelle le komets, et aller le brûler au misbéar. Et une fois qu'on a fait ce petit cadeau, cette petite chose qu'on a prélevée pour le misbéar en l'honneur d'Hachem, alors le reste va être consommé par les Kohanim, par le propriétaire, chaque korban selon ses limites. D'accord ? Le principe du kometz maintenant, c'est lorsque, au moment où on va offrir l'échantillon au misbéar, on va avoir intention de manger le korban au-delà de ses limites de temps. D'accord ? Si je veux parler d'un korban Shlamim, par exemple, la Torah a évoqué le cas du Shlamim. Alors, je vais égorger le Shlamim, je vais récupérer le sang. Je vais égorger le Shlamim avec intention de manger le Shlamim le lendemain. Je vais asperger le sang du Shlamim avec intention de manger le Shlamim. Pas le lendemain, le surlendemain, c'est trois jours après. Le lendemain, c'est encore pas mis, Shlamim, c'est deux jours. D'accord ? Donc, le surlendemain pour le troisième jour. Là, j'ai fait pigoul. D'accord ? Je l'ai rendu pigoul. C'est l'offrande, elle est répugnée. Elle doit être brûlée, elle ne pourra plus être consommée. Un interdit de carrette spécifique qui a été donné pour le pigoul. Ok ? Maintenant, dans notre Mishnah, on va parler d'une notion qu'on évoquait dans la première Mishnah de ce Pérec, du Pérec Bet. Si vous faites la synthèse des deux, vous allez voir qu'il y a une contradiction. Je ne vais pas rentrer dedans, je vais juste faire en sorte que je vais vous présenter la Mishnah de manière qu'il n'y a plus de contradiction. D'accord ? Le Tosfot Yom Tov dans la Mishnah Aleph s'en occupe. Succinctement, il y a certains korbanot où l'échantillon à offrir au Mizbeach, il est composé de deux éléments. D'accord ? De manière générale, un korban, je dois récupérer le sang et l'asperger. Donc il y a un seul élément. Mais justement, là, on va voir dans notre Mishnah que pour la mincha, par exemple, alors pour en général la plupart des menachot, il va falloir récupérer pour l'échantillon, récupérer la pincée, donc récupérer d'abord dans la semoule. Le Kohen, il va récupérer une pincée, il va la mettre dans l'ustensile, il va faire brûler ça, mais en plus là, il va même devoir récolter la Levona, qui est une encens qui était aussi dans la même assiette, dans le même ustensile où se trouvait la Mincha. Il va devoir récupérer ces deux éléments-là et aller les brûler. Et qu'est-ce qui se passe s'il va prendre, il va récupérer, et plutôt, il va brûler un seul des éléments avec l'intention de manger la Mincha le lendemain, mais pas le deuxième élément. Ouais. Par exemple, je répète, l'échantillon d'une Mincha. Comment je dois faire une mincha pour un Kohen ? Pour une mincha qui est parfaitement faite, comme ce qu'on va voir, je vais vous expliquer pourquoi. Mais la plupart des menachot, on doit apporter donc la semoule avec la levona, qui est une encens. Donc on doit récupérer un peu de semoule, là l'échantillon de la semoule, la mettre dans l'ustensile, récupérer la levona, la mettre dans l'ustensile, prendre le tout, monter sur le mizbeach et brûler. Qu'est-ce qui se passe si le Kohen, il a commencé par prendre... Bon, il a pris tout d'abord l'échantillon de... Il a pris tout d'abord l'échantillon de semoule, il a monté sur le misbéach, il a bien fait, puis après il a pris la levona, et il a fait avec intention de dépasser les limites de temps de manger la mincha en deux jours. Ou bien le contraire, ouais, quand il a pris le comets, la pincée de semoule, il a eu l'intention de manger la mincha en deux jours, tandis que la levona, il a pas eu d'intention de mal faire. Est-ce que, c'est la grande sougia de, est-ce que mes faglin bechatsi matir, ou l'homme mes faglin bechatsi matir. Les fagel bechatsi matir. Rendre le korban pigoul
avec uniquement la moitié du matir, de l'échantillon qui va permettre le reste à la consommation. C'est le sujet de notre Mishnah. Il y a une discussion sur ça, entre Rabbi Meir et Chachamim. On le fait tout de suite dans les mots et ça va être présenté de deux manières. Quand on va arriver ensuite à la Seifa, à la deuxième partie de la Mishnah, je vais vous expliquer comment il se représente le cas avec les Shter Lechem de Shavuot. Pour le moment, on parle d'une mincha simple et la Mishnah m'enseigne. Pigel bakometz velo balevona. Il a eu une intention de pigoul, de passer les limites de temps quand il a brûlé le kometz. C'est ça qui insiste à dire brûler le kometz, sans cela que se trouve la réponse du Tosot Yom Tov, mais j'ai dit que je rentre pas dedans, donc on avance. Il a brûlé le kometz avec intention de passer, de manger la mincha au-delà des limites de temps, velo balevona. Mais il n'a pas eu cette intention ensuite lorsqu'il a fait brûler la levona sur le misbéach. Ou le contraire, balevona velo bakometz. Il a eu l'intention quand il a fait la levona, mais pas quand il a fait le kometz. Ça en est au même. Donc il a été mefagel bechatsi matir. La moitié de l'échantillon uniquement. Non. La moitié de l'échantillon, il a eu l'intention de dépasser les limites de temps, mais pas dans, dans l'autre moitié. Alors Rabbi Meir Omer, pigoul de chalavin al karet. Rabbi Meir enseigne, et ben malgré tout, mefaglin bechatsi matir. Le korban sera, la mincha, l'oblation sera pigoul, on sera passible sur elle d'un karet. Vachachamim omrim, tandis que Chachamim enseigne, non, en bo karet. Il n'y a pas en cela de karet. Ad sheyefagel et kol amatir. Jusqu'à qu'il va avoir intention sur tout l'échantillon, tout le matir. Le matir, c'est celui qui permet, c'est-à-dire l'échantillon. D'accord ? Tout l'échantillon qui permet, il faut avoir intention intégrale. De ce fait, la Mishnah maintenant continue en me trouvant un cas de figure où il y a une mincha particulière où justement il n'y aura pas de levona. Il y a une mincha particulière, il y a certaines menachot dans la Torah qui sont en l'occurrence la mincha troté et mincha tsota. Des minchat qui viennent pour des fautes, Mazker Tavod, la Torah, elle explique, elle précise, que des menachot où il ne faut pas faire de levona. Comme ça vient pour une faute, alors ce n'est pas le moment de faire des encens. C'est le principe. C'est, tu viens, tu apportes ta mincha pour t'expier ta faute, et sans faire. D'accord ? Sans mettre trop de parfum. D'accord ? Eh bien, de ce fait, au modim chachamim le rabbi meir, chachamim reconnaîtront à rabbi meir, be minchat roté ou be minchat kenaot. Dans le cas d'une oblation de celui qui a apporté une faute pour le korban olev yored, celui qui rentre au Beth Amikdash alors qu'il était impur, il doit apporter un korban olev yored. Et s'il n'a pas d'argent, il peut apporter aussi une pour faire son khatat. Il peut apporter à la place, s'il n'a pas de quoi payer un mouton, il pourra apporter des oiseaux, des volailles. Et s'il n'a pas d'argent pour apporter une volaille, il pourra aussi apporter une mincha, une oblation de semoule. Alors la Mishnah, et dans ce cas-là, il ne devra pas mettre de l'évona dedans. De ce fait, s'il va faire le kometz, l'échantillon, il va le faire avec l'intention de manger le reste de la mincha au-delà des limites de temps, ça va devenir karet, pigoul, même d'après chachamim. D'accord ? Et minchat kenot, c'est le même principe avec la sota. Et minchat kenot, littéralement, l'oblation de celui qui jalouse sa femme, qui lui fait la sota, qu'il a prévenu sa femme qu'elle ne devait pas s'isoler avec tel homme, elle s'est isolée, puis maintenant, elle dit qu'elle n'a pas fauté, il doit l'amener au Beth Amikdash, elle va devoir faire sa mincha, et ensuite le Kohen va lui faire boire les fameuses eaux de la sota pour voir est-ce qu'elle a fauté. Et donc elle doit auparavant apporter une mincha, une oblation de ses orim. On n'est pas Yerushalayim ici. Mais il y avait une chat qui est note. Que dans ces cas-là, chez Im Pigel Bakomets, chez vous Pigoul, le Chayavin Alam Karet, chaque comète soit matière. Donc dans ces deux menachot-là, s'il a eu l'intention sur le comète, sur l'échantillon, ce sera à Pigoul, il aura rendu Pigoul, le Chayavin Alam Karet, il aura rendu Karet, pourquoi ? Chaque comète soit matière, car l'élément, l'échantillon qui va tout permettre, il n'y a comme échantillon que ce petit comète, cette pincée de ce moule qu'il a prise, de ce fait, donc il a été méfagel dans tout le métier. Même principe, on le retrouve maintenant dans une autre configuration, mais c'est exactement le même principe. Donc ça va même, il va même avoir quelque chose de très original qui va se passer. Je répète maintenant comment se passe le moussaf, l'oblation en particulière, le shte alechem, le korban shte alechem de Shavuot, minchat bikurim. À Shavuot, la Torah l'a prescrit d'apporter deux korban shlamim, c'est les shalmet tzibur, c'est le seul endroit dans le Torah où on a trouvé des shalmet tzibur, des shlamim qui vont être en public. Donc, deux shalmet tzibur, deux korban shlamim, qu'il va falloir apporter en même temps que deux grands pains. Il y avait deux grands pains, il y avait tout un rituel très joli, il fallait balancer le pain dans les directions et tout ça. Ça venait avec du nouveau blé de la nouvelle année.
Maintenant, pour pouvoir manger ces deux pains, il fallait faire les deux shlamim. Ouais, deux korbanot shlamim pour ensuite pouvoir permettre les deux pains. Et alors là, on va avoir le même principe. Si tu fais les deux shlamim, tu permets le pain à la consommation. Si tu en as fait qu'un, ça ne suffit pas. Donc il faudra faire les deux shlamim pour pouvoir permettre le pain. Qu'est-ce qui se passe? Elle a une intention de manger le pain au-delà des limites de temps, en apportant un seul shlamim et pas le deuxième. Même machloket, exactement. Et on fait tout de suite ça dans les mots. Après, on va faire une troisième pause avant d'entamer la fin de la Mishnah. Shachat echad minag vasim. Le echol shte chalot le machar. Il a égorgé un des deux moutons avec intention de manger les deux pains le lendemain. Le korban de Shavuot, ils doivent être mangés dans la journée. Et lui, il a eu l'intention de les manger le lendemain. Mais en égorgeant un seul des deux gvasim qu'il devait faire. Gvasim, c'est les moutons. Iktir echad mina bazichin le'echol shnei isdarim le machar. Même principe encore avec le Shabbat. Même principe où il y avait les 12 pains, qui étaient en fait deux marachot de 6, deux groupes de pains de 6, où il y avait là-bas deux basiches levona, deux cuillères, il y avait dedans de l'encens. Il fallait apporter la levona sur le misbéach et ça permettait le pain à manger. Et pour une des deux cuillères, lorsqu'il a brûlé le contenu d'une des deux cuillères, où il y avait la levona d'une des deux cuillères, il a l'intention de manger le pain le lendemain, le dimanche, alors que ça devait être consommé nécessairement que le Shabbat. Mais c'était que la moitié du matir, puisque le matir c'est d'apporter les deux. Il l'a fait, il a eu l'intention de faire sur l'un des deux. Donc c'est le même principe. Donc il a brûlé une des deux cuillères d'encens avec intention de manger les deux pains le lendemain. Rabbi Meir Omer, pigoul l'echavin al karet. Rabbi Meir enseigne, eh ben dans ce cas-là, il y aura un pigoul, il aura rendu malgré tout pigoul l'offrande de pain de Shavuot ou de Shabbat, et Vechaïven à la Karet, et celui qui les mangera ensuite sera passible de Karet. La Chachamim Omrim, En Pigoul, Hachi Efagel, Et Kol Amatir. Il n'y aura en cela, il n'y aura pas de Pigoul, jusqu'à qu'il ait l'intention sur les deux éléments qui composent l'échantillon qui permet le pain. Ok? Maintenant, allez, je traduis directement, et puis j'explique ensuite. Shachat Echad Minag Vasim, Leechol, Mimenu, Lemachar. La Mishnah m'enseigne. S'il a égorgé un des deux moutons avec intention de manger ce mouton le lendemain, ou pigoul de chavero kasher, lui-même sera pigoul et son semblable, l'autre mouton, restera kasher. Et tandis que s'il a eu les chol mechavero le macha, s'il a égorgé un mouton avec intention de manger le deuxième le lendemain, Shneem, Kherim, les deux seront cachés. Et alors là, j'explique un petit peu mieux de quoi on parle, parce que là, ça ne va pas être, on ne sait pas compréhensible, apparemment, mais c'est simple. Regardez, c'est très original. Un shlamim, c'est un korban indépendant. Que si je vais asperger le sang de ce shlamim avec intention de manger au-delà des limites de temps, lui-même, il va devenir pigoule. Mais il y a quelque chose de très particulier, c'est que là, le shlamim, en plus du fait que son sang permet de manger ce shlamim, il permet aussi de manger le pain. Ce qu'on a, le pain de Shavuot. Ce qu'on a évoqué dans la Mishnah précédemment, jusqu'à maintenant, c'était comment rendre pigoul le pain. Mais le shlamim lui-même aussi peut devenir pigoul. Si jamais lui, on asperge son sang avec l'intention de manger ce shlamim le lendemain, c'est un shlamim que vous êtes mangé dans la même journée, et pas le lendemain. Et lui, il a l'intention de manger ce shlamim-là le lendemain. Donc, il aura rendu pigoul malgré tout ce shlamim, parce que par rapport à lui-même, le sang de ce shlamim, c'est son matière. C'est vrai que pour le pain, il faut nécessairement avoir attention sur le deuxième shlamim aussi, d'après Chachamim, pour rendre le pain pigoul. Mais par rapport à lui-même, le sang permet ce shlamim. Pour être mangé lui aujourd'hui, on a déjà fait un premier shlamim parmi les deux. Alors de ce fait, Chachamim m'enseigne, c'est la première partie de la Mishnah qui me dit que Shachat Echad Minag Vasim, Lechol Mimeno Lemachar, Hu Pigoul Vechavero Kasher. S'il a égorgé un des deux moutons avec intention de le manger le lendemain, alors lui il sera pigoul, tandis que son copain, l'autre mouton de Shlamim, il sera kasher pour le moment. L'un n'influence pas l'autre. Mais mieux que ça, la Mishnah m'enseigne maintenant. Il a égorgé le premier mouton avec intention de faire le deuxième mouton le lendemain ou de l'asperger le lendemain, de le manger le lendemain. Et bien la Mishnah m'enseigne que cette fois-ci, un
mouton n'influence rien sur l'autre mouton. Ce sont deux corbanos distincts. C'est le même principe qu'on avait expliqué dans la Mishnah Aleph du Perek. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais moi j'ai eu le temps d'oublier avec les vacances là. Mais en tout cas, le principe, il est là. C'est qu'il y a ici deux éléments qui composent l'échantillon pour pas mettre le pain. Et l'intention de l'un n'influence pas sur l'autre. D'accord ? J'espère que ça a été assez clair. Je vous souhaite une journée pleine. Salam.